Mais comme je dis, dans un deux, est-ce que tu peux rester le plus fort? Je vais parler dans la table. Encore plus fort que je vais parler dans la table. Amen. Amen. Il est le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Il est le responsable du ministère de la compassion. Responsable du centre pénal. Cette nuit, il est là encore. Il est le maréchal de la brigade anti-sorcier. Suivez vos ovations d'acclamer. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Je dis veille sur ta parole pour l'accomplir et l'exécuter. Tu déclares dans ta parole que là où deux ou trois s'assemblent à ton nom, tu es parmi eux. Nous croyons déjà à ta présence. Toi dans le nom et le choix. El Machia. Oui, nous te rendons la gloire. Yahweh, notre Dieu, le Dieu d'Israël. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous voulons encore te bénir. Conduis ce moment. Et s'il te plaît, dis-moi et fais-nous du bien. D'un transformer les cœurs. D'un délivrer, libérer ce village à Bélétran. Je plonge cette soirée, cette nuit, dans le sang de l'agneau. En proclamant ta Seigneurie, parce que la Bible déclare que nous avons vaincu le diable, qui est notre ennemi à cause du sang de l'agneau. Nous proclamons ta Seigneurie, la confusion dans le camp des sorciers, la confusion dans le camp de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Et nous imposons la Seigneurie de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que quelqu'un dit Amen. Amen. Que quelqu'un dit Amen. Amen. C'est comme ça que vous avez acclamé, mon Jésus. Je dis ça pour vous. C'est comme ça que vous avez acclamé, mon Jésus. Je dis ça pour vous. Il y a quelqu'un, appelle à Jésus. Je dis ça pour vous. Vous devez régler le micro, les gars. Ce problème-là, ça devait se régler depuis que vous savez que nous avons une veille. Toujours les mêmes pannes. Je ne peux pas bien le bébé. Dis à quelqu'un, acclame Jésus. Je vous ai dit, ouais, chouïa. Ami, la reine de l'Eba. Depuis. Combien de filles semaines? Il y en a une qui vous vient. La reine de l'Eba, quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous montrer. Il n'y a pas. Pas de quoi? Chouïa, quoi? La reine de l'Eba, Combien de sorciers? Vous avez voté?
Vous parlez. Encore, encore. J'ai fait sorceller. Et non, le coup, le coup. Oui, il m'a dit. Voici Dieu. Mais, ne va. J'ai dit de venir manger. Ne va, il dit, et il va. Tu as compris tout de suite. Je suis sur ton territoire. Amen. Ah. Vous dites qu'il faut laisser son fils. C'est la puissance de Dieu. La volonté de Dieu est illimitée. Mais il est bien, d'accord. Tiens-le. Amen. La sorcière. Vous me rendez bien. Mais non, père, c'est pas un garçon. C'est pas un garçon. Vous n'avez rien. Allez, d'accord. Celui qui dit les sorciers, oh, oui, oui, oui. Vous n'avez pas venu de vaincre. Oh, oui, oui. Celui qui dit les sorciers, oh, oui, oui, oui. Il n'a pas venu de vaincre. Il n'était pas fait manger herbe. Parce que c'est des criminels. Et l'homme a droit à la vie. L'homme a droit à la vie. Et les gens vivent leur vie. Parce que les gens vivent. Si vous êtes sorciers, même si tu as petit, si tu es. On paraît qu'on petit, je le sais. Et quand on ne parle pas de tout, on va suivre. Parler, non, parler, maintenant vous cachez, vous avez peur. Moi, le jour où tu vas me lancer un défi dans le monde, le jour où le sorcier va me dire non, il est pas fort. Moi, je le mets à terre. Parce que la Bible dit ce qui est à moi est plus fort. Et c'est qui est à moi le sorcier. La Bible n'a pas dit de caresser le diable. Vous avez le pouvoir. Marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra vous nuire. Votre pouvoir, on est trop à l'intérieur. Ça, je vous assure. Celui qui va s'élever, manger quelque chose, il va mourir. Des comédiens qui vont venir ici. Alors, il est que tu as mangé. C'est fini. Et bien, carré forcé. Et quand vous n'allez plus manger. C'est fini. Et bien, si tu ne crois pas, tu essaies. Notre problème en Afrique, c'est la sorcellerie. L'héritage qu'ont laissé nos parents. L'Afrique ne se développe pas. Nos cas n'ont peur de rentrer. Ah non. Pourquoi lui il fait? Il faut qu'on attaque les sorcellers. Là où la sorcellerie est attaquée. La criminalité spirituelle s'arrête. Parce que elle mange. Avant de manger, tu. La sorcellerie, le mal de l'Afrique. Quand on a la sorcellerie, on a un danger pour soi. Parce qu'avant l'initiation, asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Je suis en train de finir même un livre. Parce qu'il y a plusieurs années d'expérience. Vous montrez la technique, comment les ça existe. Ah non, lui, son travail. Lui, mon travail. Le fait pour sorcier. Chacun son travail. Chacun son ministère. Moi, mon ministère, attaquer la foule. J'étais moi-même victime. Ils ont mangé mon papa et un
Moi, j'avais prêté pour manger. Je suis fait pour attaquer ça. Amen. Pour le délivrer. Parce qu'on ne mange pas âme. Quand il ne suit personne, on d'abord te donne la chair humaine. Et puis on te donne le sang. C'est une alliance. Et que tu signes avec toi. Après avoir mangé, je ne demande personne. Je ne demande personne. Je ne demande personne. Tu es sorcier, tu peux pas. C'est quand tu donnes personne, tu as toi la parole. Tu peux maintenant parler dans la bouche. C'est dangereux. On la sorcellerie. On ne peut pas sorcer ça qu'on a tué. Et vous ne voulez pas qu'on attaque la sorcellerie. Ah non, la sorcellerie. Mais oui, ça existe. Ça n'existe pas chez toi. Tout ce qui est en nom existe. Amen. C'est ton nom, c'est fini. Et vous assistez dans notre famille. Et nous, les Africains, nous sommes conscients. Fait du mal à l'autre. Non, et vous avez peur de venir dans votre village. D'autres me posent la question. C'est parce qu'il est sorcier qu'il a pas sorcier. Parce que la définition de la sorcellerie, lanceur de sort. Celui qui détruit les sorciers. C'est une erreur. Parce que Satan ne peut pas attaquer. Tu ne vas plus exister. Et la Bible dit quoi? Le Fils de Dieu, Jean 3, le verset 8, est apparu afin de détruire les œuvres de Dieu. Ce sont les œuvres de Dieu. Ils sont habités par un démon. C'est des démons qui les annihilent. Et nous devons détruire ce pouvoir. Permettre à la fuite d'immerger. Sinon, nous devons l'État. Et là où il y a la sorcellerie, le retard se vide. Victime de la sorcellerie, vous voyez, vous remarquez le retard. Les gens avancent, prospèrent, lui marche comme un régime. Il est toujours frustré. Tout à fait, l'Afrique est en retard. L'Afrique est berceau de l'Israël. Regardez notre Afrique en retard. Tout est parti de l'Afrique. Regardez, le problème de l'Église, c'est nous les croyants. Nous n'avons pas encore touché le problème de l'Afrique. Nous parlons d'autre chose. C'est pour ça que ce matin, avant que je ne prenne la parole, nous allons prier pour un problème. Il y a une fièvre qu'on appelle Ebola. Depuis hier, l'OMS a déclaré son incapacité. L'OMS dit ne peut rien. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est une réaction de maladie. Et ça a commencé en Afrique. C'est chez les Blancs qu'on découvre. Ebola, c'est en Afrique. Et ce n'est plus que le sida. On le contacte avec la sueur, le contact. Et la sueur, le sida sur le sang. Et quand vous avez Ebola, on vous exclut, c'est-à-dire on vous prend de votre famille, on vous isole, on brûle le corps, on ne vous enterre pas. C'est très dangereux. Et ça est déjà sous nos frontières. C'est au Nigeria, c'est à l'intérieur. Si nous, Africains, nous ne nous levons pas, prier, la Côte d'Ivoire c'est la terre. Et ça se propage rapidement. La Côte d'Ivoire se fait par le contact de la sueur et la salive. Quelqu'un qui vient de Kaïbola qui crache ici, qui passe sur ça. Donc réalisez qu'il y a ton arrivée là. Si nous ne prions pas pour ça, j'ai rien des hommes de Dieu là. On vous invite à prier à eux. Voilà, on a besoin de 3000 pasteurs. Pardon, il y a le ministre de la culture qui veut vous financer. Encore, les gens courent, c'est pas moi. Mais vous voulez.
Nous devons nous mettre ensemble. Prier pour le problème. C'est là que je n'aime pas les associations des pasteurs. Parce que je ne crois pas ce qu'il faut pour l'Afrique. Si on est chrétien, on est la lumière du monde. On est la lumière du monde. Nous avons la clé de toute solution. Si l'église s'éteint, le malheur arrive. Si l'église ne fait rien, le pire s'installe. C'est nous que Dieu regarde. Je suis touché par ce mal. Nous sommes en train de mourir. C'est la vie, ça meurt. Même les médecins qui sont censés traiter le Ebola sont en train de mourir. Oui, vous ne savez pas. Mais c'est grave cette maladie. On vient de la voir de amylodigénie à tout cœur. Les chefs d'État sont allés en Guinée, sont en Guinée. Ils ont fait une réunion. Mais non, même s'ils ne peuvent rien. L'Organisation mondiale de santé dit peuvent rien. Mais nous ne pouvons quelque chose dire. Amen. Nous avons la solution des problèmes. Amen. Nous avons cette solution. C'est Jésus qui est le médecin. Jésus est le médecin. Si nous l'invoquons, Ebola, Ebola sera radiqué là. Ebola sera radiqué là. Deuxième mal quand on est frappé l'Afrique. Non, vous avez oublié, c'est qu'il est sorcier. Les achètes maladie pour vous. Vous l'achetez mon vrai. Je connais une jeune fille dans la région de Fresco, à Gabo 2. Elle a donné sida 60 personnes. Il y a la photo et il y a la vidéo. Elle donnait le sida. Elle a fait des aveux. Elle a donné sida à telle personne, telle personne. Il vient, non, mais moi, j'ai jamais fait la moindre sida. On n'a pas l'infirmerie du village, on fait les tests. Tout le monde avait déjà VIH. Nous avons prié en 30 minutes. Le virus a été neutralisé. Amen. Amen. Ça ne vaut pas trois jours. J'étais à Divo en train de faire une séance de délivrance dans le pays. Une sorcière est estimée, c'est pas lui. Cette sorcière, comment tu fais? Je prends maladie et donne aux gens. Donc, ils sont en train de venir. Ils vont l'acheter pour vrai. Vous ne faites rien pour ça? C'est ce qu'il dit aux gens. Tu n'es pas convié un homme de Dieu en train de parler. Vous parlez de ça? C'est que vous intéressez, on va vous donner des projets d'argent. Vous allez faire tant, tant, tant. C'est nous qui avons la solution. Si ça vient dans un village, ça vient tout le monde. Comment que tu encore le village dans les parties? Parce que ça ne peut pas. Oui, il n'y a pas de remède. Et face à ce mal, nous sommes la meilleure. Ça ne veut rien. Parce que tout ce que vous permettrez, si la Bible sera permis dans les. Tout ce qui ne permettra pas si la vie ne sera pas permis. L'homme a droit à la vie. Le diable attend d'agir. Les gens sont en train de mourir. Déjà 6 mois, il y a 1300 et quelques personnes. Même les médecins meurent. Quand on a une nouvelle traité, quelqu'un, son mort. Encore le même pas, ça m'a peur. Aïe, on a besoin. Il y a des moyens, enjeux, ça va. Ce sera qu'il faut que nous prions pour l'Afrique. Vous voulez que l'Afrique sorte des difficultés. On parle de malheur en malheur. Les problèmes ne sont pas accueillis l'église. Nous nous mettre ensemble. Nous les hommes de Dieu. Nous les enfants de Dieu. On se met pour se critiquer. On se met pour se combattre entre nous. Dans notre combat, c'est contre le diable. Nous allons tenir debout. Avant que je ne prêche. Avant que je ne chante. Parce que je chante avant de prêcher. Mais j'ai un problème dans le cœur. L'Afrique a commencé à tomber. D'un malheur qu'on appelle Ebola. Quand vous écoutez toute la presse, le discours inquiétant,
On dit qu'on ne peut rien contre ça. Mais si avec Jésus, c'est bon. Nous avons la solution. Nous allons barricader la Côte d'Ivoire. Nous allons barricader la Côte d'Ivoire. Et ordonner que le volant ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est en train de Seigneur? Vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu la chanteuse. J'ai écouté les discours à la télé. Mon cœur est révolté. J'ai dit mon Afrique. Mon Afrique en dehors. Mon Afrique est dans les difficultés. Notre Afrique connaît la douleur. Amen. Amen. La Bible dit dans deux chroniques. Même si qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, je l'exaucerai. Quel nom tu exauces? C'est vrai que ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais des pays sont en train de prier. Et quoi vous? Tel que le Libéria. La Libéria. La Guinée. Guinée. La Sierra Leone. Sierra Leone. Aujourd'hui, on a annoncé le Nigeria. C'est quand on parle du Nigeria, mais. On dit non, Ebola, non. Ebola, Ebola. Si on vous montre l'image de quoi. C'est des démons. Démons, hein. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Les réunions ne peuvent rien apprendre. Nous allons sensibiliser les gens. Mais la chose dans la voix, c'est la Bible déclare que tout ce que nous lions est lié dans les épreuves. Tout ce que nous lions est lié dans les épreuves. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Lorsque je suis venu, j'ai constaté quelque chose. Des braquages. Nous avons prié. Depuis que nous avons prié, c'est arrêté à Divo. Nous avons activé dans la journée. À rien de l'enfant du braque. Profiter le malheur de Divo. De 17h, le jour il n'y a plus qu'on était à des braquages, mais le jour il n'y a plus qu'on était à des braquages. Il peut faire. Il peut faire. Il ne peut pas. Tu n'as qu'à lui donner. Et dès que tu es comme si moi je parle, c'est ce qu'il y a aux gens, c'est j'ai le pouvoir de chasser. Amen. Amen. Je ne dis plus jamais ça va arriver. C'est parce que vous ne savez pas qui est en vous. Allez, c'est pour les vous. La Bible dit, Élie est de la même nature que lui. Il a arrêté la pluie. Nous pouvons faire la même chose. Allez, maintenant. Arrêtez les problèmes. Non, car vous pas qu'il s'en rentre. Non, on vient d'accord. Si ça rentre, c'est dangereux. On ne peut. Le contact avec la sueur, c'est plus dangereux trois fois plus que le sida. Pour les raisons de Dieu se mettent ensemble. Donc j'ai communiqué là-dessus. Il faut que dans nos églises on parle de ça. Et on prie pour ça dans notre église. Car nous prions pour ça. Parce que c'est nous qui avons la solution. Quand ça ne va plus loin, c'est l'Église qui a la solution. Jésus est mort pour ça. Je dis, il est pour vous. Amen. Amen. Jésus est mort pour ça. Je dis, oui, vous. Les chefs d'État sont en Guinée, les militants, si France 24, l'homme ne peut pas. Et on dirait un bras de vie. Nous allons barricader la Côte d'Ivoire. Ordonner que cette pierre ne bouge pas la Côte d'Ivoire. Viens! Amen! Amen! Tu connais Ebola? Pourquoi est-ce que c'est amusement?
Alléluia. Amen. Et nous allons prier aussi pour l'Afrique. Les pays qui sont déjà atteints. Le Libéria. La Guinée, la Sierra Leone, mais là, nous allons prier pour tous ces pays. En général, pour que cette fièvre soit neutralisée. Parce que c'est une œuvre diabolique. C'est une œuvre démoniaque. Et voilà, c'est une œuvre satanique. Si nous ne prions pas, c'est difficile. Nous allons lever la main. Frère, les gens sont en train de mourir. Il y a la solution. La solution, c'est Jésus. Cette solution, c'est Jésus. Thank you.
On a dit, écoutez. Ne soyez pas trop zélé, s'il vous plaît. Suivez le mouvement, soyez. Amen. Nous allons prier. Voilà, c'est radio. Nous allons prier le Nigeria. Où il y a déjà des cas de Ebola. Actuellement 6 mois. Il y a plus de 1300 quelques morts. Nous allons prier pour la Guinée. Nous allons prier pour la Sierra Leone. Nous allons prier pour le Nigeria. Nous montrons à Jésus, à notre Dieu, de nous neutraliser dans le paradis, dans le camp. Pour de délivrer sa nation.
On dit amen. Amen. Aba kunyo. Aba kunyo le. Jésus est avec moi. Aba kunyo. Aba kunyo le. Jésus est avec moi. Aba kunyo. Vous répondez, mais bien. Le ton là, j'aime pas trop ça. Aba kunyo le. Jésus est avec moi. Aba kunyo. Vous n'attendez pas. Voilà, c'est ce que je voulais. Aba kunyo le. Jésus est avec moi. Aba kunyo. Aba kunyo. Jésus est avec moi. Aba kunyo. Jésus est avec moi. Aba
Je tiens à mémoire.